Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, la crise de 2008 a révélé les failles du capitalisme de connivence, mettant dans le même sac l'État fédéral américain et de grandes banques d'affaires. Et malgré quelques efforts, rien n'a véritablement été fait pour rendre à la finance sa vocation première. Trouver des capitaux pour nos entreprises, nos entrepreneurs qui créent de la richesse et de l'emploi ici, chez nous. La multiplication, j'en veux pour preuve, par exemple, des critères ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance, dans la gestion bancaire, ne contribue en aucune façon à servir l'économie réelle. Pour lutter contre les collusions entre les dirigeants des grandes banques et la haute fonction publique, pour limiter les effets de levier de banque et veiller à ce qu'elles ne créent pas des bulles spéculatives comme on l'a vu donc en 2008, il faut remettre notre économie au service des hommes et des territoires, réellement, concrètement, sérieusement et vite.